Soyez bénis. Bienvenue dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, tout est sous ton contrôle. Je me tiens à cette chair, Seigneur, en accord avec ton serviteur, le père de la maison, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Que l'onction de Dieu coule dans cette maison et que toute personne venue chercher Dieu entende Dieu parler sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Par la grâce de Dieu, par la force du Saint-Esprit, je suis là pour dire à quelqu'un que sa foi le mènera dans les hauteurs. Ta foi te mènera dans les hauteurs. Ce que tu crois te mènera dans les hauteurs. Ce que tu vois te fera atteindre les sommets. Amen. Seigneur, bénis ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Romains 10, 17. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de... Je veux que tu le répètes encore, s'il te plaît. Une dernière fois. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Dans ces moments où nous vivons, je peux dire dans cette ère, tout le monde est à court d'informations. Quand tu te réveilles le matin, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ta nation, qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et ça fait que dès qu'on se réveille le matin, on commence à courir sur peut-être les réseaux sociaux, sur la télévision, à la radio, dans les journaux, pour savoir ce qui se passe. Mais le Seigneur nous enseigne quelque chose. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est de là que notre foi naît. C'est pourquoi la Bible a dit en Josué 1:8, méditez cette parole jour et nuit. Que cette parole ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-la jour et nuit. Parce qu'il y a quelque chose dans l'information qui vient de Dieu. Quand tu connais une promesse que Dieu t'a donnée, tu es rassuré pendant la journée. Alléluia. Mais imagine quelqu'un qui se réveille et sa première action, c'est de regarder les journaux. Et dans les journaux, c'est écrit quelque part qu'il y a la guerre. C'est écrit quelque part qu'il y a des enfants qui ont été enlevés. C'est écrit quelque part qu'il y a des femmes qui ont été tuées. Quand tu commences ta journée avec de telles informations, ta vie est dans la peur. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des personnes qui ont perdu leurs enfants. Et quand c'est comme ça, la maman, quand l'enfant s'en va à l'école, toute la journée, elle est stressée. Toute la journée, elle est dans la peur. Toute la journée, elle se dit, Seigneur, mon enfant, j'espère qu'il va revenir. Souvent même, l'enfant n'est pas perdu. Il peut être chez son ami. Mais comme tu as vu le matin qu'il y a une dame qui a perdu son enfant, si tu ne vois pas ton enfant 30 minutes, tu es déjà paniqué. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'information de là où il ne fallait pas. Si tu avais pris ta Bible et médité, la Bible t'aurait dit que le Seigneur est notre secours. Le Seigneur est notre appui. Le Seigneur est notre guide. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu as des informations que tu as enregistrées. Peut-être que tu as des informations que tu as emmagasinées en toi. Mais le Seigneur te dit, oublie ton passé parce que tu es devenu une personne nouvelle en Christ. Alléluia. Il y a des personnes parmi nous, par exemple, qui ont été violées. Et jusqu'à présent, elles n'arrivent pas à oublier. Elles vivent avec ce viol. La personne peut avoir 40 ans. Elle a été violée peut-être à 8 ans. Mais elle vit avec l'information qui lui dit que si tu croises un homme dans la rue, cet homme va te violer. Elles vivent dans la peur. Il y en a d'autres qui ont décidé de ne plus se marier. Il y en a d'autres qui ont décidé de détruire les hommes. Alléluia. Ce matin, que Dieu te donne la bonne information. Pour que ta foi te mène dans les hauteurs, comme j'ai l'habitude, je vais procéder par des points pour qu'à la maison, vous puissiez bien enregistrer et bien méditer. Aie la bonne information te concernant. Premier point, aie la bonne information te concernant. Satan est rusé. Et Satan nous donne toujours ce qui est négatif.
Si tu vis avec le négatif, il n'y aura rien de positif dans ta vie. Si tu vis avec des pensées erronées, il n'y aura rien de positif dans ta vie. Tu es encore focalisé sur tes erreurs. J'étais prostituée. À tout bout de champ, tu le répètes. Moi-même, je ne suis pas juste. Je me prostituais. Je suis venue à l'église. Ceux qui sont là sont mieux que moi. Non, personne n'est mieux que toi. Tu as accepté Christ. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce verset parle de ta mentalité. Il faut que dans ta mentalité, tu te dises que je suis une nouvelle créature. C'est vrai, j'ai été prostituée. C'est vrai, j'ai été divorcée. C'est vrai, j'ai été veuve. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit le contraire. Le Seigneur me dit qu'il est le père des orphelins. Même si le père de mes enfants est décédé, mes enfants ne seront plus seuls. Même si je suis veuve aujourd'hui, je sais que l'Éternel est avec moi. Il est l'époux de la veuve. Alléluia. Quand tu sais la bonne information te concernant, tu es rassuré devant les épreuves. Quand tu sais la bonne information pour toi, pour tes enfants, pour tes entreprises, tu es rassuré devant les épreuves. Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, je vois tes échecs passés, je vois tes pleurs, je vois tes larmes, mais je ne suis pas intéressé par cela. Je m'intéresse à ce que Dieu a dit pour ta vie. Je m'intéresse à ton demain, à ton futur glorieux. Je m'intéresse à quelque chose qui sera pour toi un témoignage devant les païens. Je m'intéresse à ce qui est plus important pour toi, la parole de Dieu en toi, la promesse de Dieu en toi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, oublie ton passé et aie la bonne information. Amen. Ne te focalise pas sur ce que tu as enregistré. Moi, par exemple, quand j'étais petite, j'avais peur du noir et très peur. Pour entrer dans la chambre, je viens jusque devant la porte. J'allume la lumière, je cours parce que c'était les néons. Quand j'allume, je cours, je ressors et je reviens quand tout est allumé. Amen. Parce que dans ma tête, j'ai enregistré que dans le noir, il y a les fantômes. Et quand je suis dans le noir, je dis les fantômes vont me poursuivre. Et j'ai vécu avec ça pendant des années, jusqu'à ce que je me convertisse. Tu t'es converti. Oublie ce qui te faisait peur. Aie la bonne information. Tu t'es converti. Oublie tes frustrations. Aie la bonne information. Il y a des personnes qui sont à Christ, mais qui ont gardé de la haine contre des gens jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que tu veux voir ta vie être bénie? Ça fait que tu es amer avec tout le monde. Tu es désagréable avec tout le monde. Parce que tu n'as pas la bonne information. Tu as gardé la haine contre cette personne et tu crois que toutes les personnes qui sont autour de toi ne sont pas de bonnes personnes. Tu t'attends à la trahison. C'est ce que tu veux voir que tu verras. Une personne m'a trahi hier, donc moi je vais rester dans mon coin. On m'a divorcé, je ne me marie plus. Alléluia. Tu gardes les mauvaises informations et tu intoxiques ta vie, tu intoxiques ton entourage. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer avec leur vie passée. J'étais avec le monsieur, je l'aimais, il m'a abandonné. Celui-là, il va me connaître. Le monsieur qui a décidé de t'aimer, il ne vit plus. Et chaque matin, tu es sur lui. J'étais avec Pierre, mon ancien mari. Pierre m'a maltraité. Toi, c'est sur toi, je vais mettre ma colère. On va te laisser à la gare. Amen. Tant que tu n'as pas la bonne information pour pardonner et oublier, tu vas vivre dans les difficultés toi seul. Tu vas créer autour de toi un monde négatif, un monde difficile, un monde de mensonges. Tu es dans un environnement, tout le monde t'aime, mais ton caractère est insupportable parce que tu as la mauvaise information. Je veux que tu mettes la main sur ta poitrine et que tu dises au Seigneur, fais-moi oublier mon passé. Seigneur, fais-moi oublier mon passé. Donne-moi de pardonner à des personnes qui m'ont blessé. Je suis en toi aujourd'hui. J'ai la bonne information. Tu es un Dieu d'amour. Donne-moi d'aimer même ceux qui me font du mal.
Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, de partager autour de moi de l'amour. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi d'oublier mes erreurs. Donne-moi d'oublier mes humiliations. Donne-moi d'oublier mes faiblesses. Et donne-moi de croire que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus, amen. Si cette prière t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Comme je l'ai dit, vos faiblesses ne m'intéressent pas ce matin. Vos pleurs ne m'intéressent plus ce matin. Votre amertume ne m'intéresse plus. Je m'intéresse à la promesse de Dieu sur vos vies. Je m'intéresse à ce que Dieu a dit pour vous. Je m'intéresse à la grande ou à cette personnalité qui est en toi. Je m'intéresse à cette femme ou cet homme de valeur qui est là. Je m'intéresse à ton côté positif. Parce que le Saint-Esprit, après cette prière, va changer ton côté négatif en positif. Tout le monde n'est pas contre toi. Tout le monde ne te déteste pas. Ceux qui nous détestent font beaucoup de bruit. Ceux qui nous aiment sont calmes. Ils font du bruit pour que vous les remarquiez. C'est tout. Mais si tu sais que son bruit te gêne, mais diminue le volume. Alléluia. Diminuez le volume de ceux qui sont en train de vous distraire. Augmentez le volume de ceux qui peuvent vous faire avancer. Tu ne vas pas continuer à rester avec quelqu'un qui veut te tuer, avec quelqu'un qui te manipule, avec quelqu'un qui t'humilie, avec quelqu'un qui te fait souffrir. Les choses ont changé, les temps ont évolué. Je ne peux pas m'arrêter sur quelqu'un qui me critique et qui ne voit jamais le bon en moi. Il y a des personnes comme ça sur la terre. Vous allez vous plier en sang. On ne verra jamais que vous avez posé des bonnes actions. On ne va plus se focaliser sur ce qui nous ramène en arrière. Ne vous focalisez plus sur ce qui vous ramène en arrière. Ne gaspillez pas vos nuits à pleurer pour rien. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vous attendent. Ne gaspillez pas votre temps à pleurer sur vos échecs passés. Le passé, c'est le passé. L'avenir a un autre nom. L'avenir a comme nom la gloire. L'avenir a comme nom l'élévation. L'avenir a comme nom la réussite. L'avenir a comme nom le mariage. L'avenir a tellement de noms puissants et précieux qu'il faut se focaliser sur votre avenir. Tant que vous resterez focalisé sur le passé, vous ne verrez rien. Il y a des gens qui sont autour de nous qui attendent qu'on dise qu'elle est finie. Pendant que tu pleures, tu t'amaigris, tu deviens vilain. Quand ils te voient, « Eh, vous avez appris, elle est finie, je l'ai vue. » Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, même si ça chauffe, fais-toi beau et belle. Il ne faut même pas permettre à ceux qui veulent te voir dans l'abaissement d'être heureux. Ne permets pas qu'ils te voient avec un aspect triste. Ne leur donne plus cette joie. Ne leur donne plus la joie d'entendre des informations tristes concernant vous aussi qui parlez. Sachez dire les choses. Hé, je souffre. Tu souffres comment? Tu as faim? Tu as soif? Tu as voulu te laver, tu n'as pas eu l'eau? Quoi encore? Tu voulais manger le foutu, tu as eu du pain, donc Dieu est méchant. Donc tu souffres. Non. On vit avec les réalités du moment. Alléluia. Mon premier point est la bonne information. Mon deuxième point, ne laissez pas mourir vos rêves. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La Bible nous apprend que depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible nous apprend aussi que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Bien-aimé, si tu ne te bats pas, tu n'auras pas ce que tu recherches. Quel est ton rêve depuis petit?
Qu'est-ce que tu veux devenir depuis petit? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton esprit depuis un certain temps? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Si tu restes couché dans ton lit, tu ne verras jamais ce que tu veux voir. Si tu restes timide, tu ne verras jamais ce que tu veux voir. La seconde gloire, c'est vrai. La prière, c'est vrai. Mais quelles sont les actions que tu poses pour atteindre les objectifs? Il faut bien commencer quelque part pour ne pas que ton rêve meure. N'attends pas d'avoir des milliards pour concevoir ce que tu as dans ton cœur. On commence quelque part. On ne commence pas grand. Quels sont les efforts que vous faites pour atteindre vos objectifs? Chrétiens, vous avez de l'intelligence, vous avez de la valeur, vous avez ce qu'il faut, mais vous êtes paresseux. Ne laissez pas mourir vos rêves. Dieu a mis en vous des choses importantes. Dieu a mis en vous des valeurs. Dieu a mis en vous du potentiel. Ne laissez pas mourir ce que Dieu a mis en vous. Ne laissez pas mourir l'intellectuel que Dieu a mis en vous. Peut-être que tu es allé à l'école jusqu'à un certain niveau. Continue d'y aller jusqu'à ce que tu voies ton rêve s'accomplir. Que veux-tu devenir sur cette terre? Sans vision, il n'y a pas de frein. C'est la Bible qui l'a dit. Sans révélation, il n'y a pas de frein. Ça veut dire que quand tu as une révélation de ta vie, quand tu as des objectifs à atteindre pour ta vie, tu sais ce qu'il faut faire. Et tu te bats pour faire. Tu as de l'intelligence. Tu as ton cerveau. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas rester là à voir le négatif partout. Oublie ceux qui t'ont fait du mal, je te l'ai dit au début. Et toi-même, réalise-toi, réalise tes objectifs. Lève-toi, va chercher du travail. Si tu n'as pas envie de chercher du travail, que tu sens que tu es un bon entrepreneur, lève-toi, entreprends. Ceux qui ont leur nom sur les machines, ceux qui ont leur nom sur cette terre, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ont juste développé ce que l'Esprit de Dieu avait mis en eux. Développe ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Développe ton intelligence. Développe ton savoir. Développe ce que Dieu a mis en toi. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas chercher, le Saint-Esprit te donnera une autre intelligence, à un autre niveau, jusqu'à ce que toi aussi, ton nom soit écrit sur une boîte de lait. Ton nom soit écrit sur un ordinateur. Ton nom soit écrit sur un logiciel. Je ne peux pas quitter cette terre sans qu'on ne parle de moi. Je suis désolée. Depuis que tu es né, on ne te connaît pas. Depuis que tu es né, on ne sait même pas qui tu es. Dieu donne l'intelligence à tout le monde. Maintenant, comment est-ce que tu développes cette intelligence? Ce n'est pas parce que je suis allé à l'école qu'à l'université que je suis intelligent. Tu sais tresser, développe tes tresses. Cherche à faire de nouvelles choses. Réfléchis. Cherche de nouvelles choses. Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, je sais tresser. Prends la tête de quelqu'un et fais des coiffures jusqu'à ce que tu voies que ces coiffures n'existent pas ailleurs. Qu'on sache qu'il y a une coiffure qui vient d'arriver et cette coiffure-là, mets ton nom dessus. Amen. Mettez un nom sur ce que vous faites que personne n'a jamais fait. Pour que vos noms restent à jamais. Alléluia! Tu as des valeurs. Ne tue pas tes rêves toi-même. Ne laisse pas mourir tes rêves parce que tu as la bonne information. La bonne information est que les enfants de Dieu sont nés pour être à la tête. La bonne information est que Dieu bénit nos entreprises. La bonne information, c'est que nous avons un Dieu qui nous donne l'intelligence. La bonne information, c'est que Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas intelligent. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas beau. Si lui ne te voit pas beau, toi, vois-toi belle. Chaque matin, quand tu te réveilles, regarde-toi dans le miroir. Dis-toi à toi, Dieu m'a fait une créature merveilleuse. Ne vis plus dans ce stress qui te fait croire que l'autre est plus joli que toi. Personne n'est plus joli que moi. Moi-même, je suis jolie. Moi-même, je me vois. Moi-même, je sais que je suis jolie. Et toutes les fois où je dis ça, celui qui est à côté de moi est obligé de le dire. Vous êtes obligé de dire. Pourquoi? Parce que je prophétise ces choses sur ma vie.
Tu prophétises le négatif. Tu veux qu'on dise quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as la bonne information qui te concerne. Tu as ce qui est bon pour toi. Ce que tu dois savoir pour réussir. Dieu est avec toi. Si les autres ont échoué, moi je n'échouerai pas. Je commence, je ne commence pas seul. Je commence avec Christ. Quand tu veux faire, tu as un bon projet, tu as les moyens, viens mettre à l'autel. Viens parler à Dieu. Seigneur, je veux commencer ce projet avec toi. Les autres ont échoué. Moi-même, j'ai fait hier, j'ai échoué. Mais aujourd'hui, je commence avec toi. La Bible dit, si je bâtis sur toi, ma maison ne sera pas détruite. La Bible dit, si je bâtis sur toi, mon projet ne sera pas détruit. Et toutes ces choses te renforcent chaque matin. Ce que tu sais faire, fais-le avec la prière, avec la grâce. Dieu te fera réussir. Amen. C'est sûr qu'il y aura l'adversité. Rien n'est facile sur cette terre. C'est sûr qu'il y aura de l'adversité. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours te décourager. Mais c'est la vie. Ça existe des gens qui vont te lancer des pierres. Ça existe. Des gens qui vont vouloir tuer ton rêve. Ça existe à tous les niveaux de la vie. Ne laissez pas quelqu'un vous distraire. Dans l'adversité, foncez. Quand ça ne va pas, foncez. Allez sur Internet, cherchez ce qu'il faut faire. Cherchez comment faire pour faire grandir vos objectifs, pour faire grandir vos rêves. Cherchez. Tu as mis une affaire sur place. Tu ne fais pas de nouvelles choses. Tu ne verras rien de nouveau. Soyons intelligents. Soyez intelligents. Dieu vous a donné des capacités. Ne laissez pas mourir ces capacités en vous. Vous êtes comptable, vous êtes avocat, vous êtes je ne sais quoi dans la vie. Vous avez une grande place, mais luttez pour aller encore de l'avant. Ne restez pas stable dans vos positions. Vous savez jouer de la musique. Allez-y faire des cassettes. Faites tout pour que vous soyez connu. C'est l'année de notre nouvelle gloire. Il faut que quelqu'un ait un nom et qu'on parle de la personne au nom de Jésus-Christ. Nos actions que nous allons poser vont laisser des traces. Battez-vous, atteignez vos objectifs. Battez-vous, entrez dans ce que Dieu a réservé pour vous. La Bible dit qu'il y a des personnes qui sont mortes sans jamais avoir vu ce que Dieu leur a promis. Ça existe. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et les ont saluées de loin. Il y a des gens qui avaient la foi, mais comme ils n'ont pas rajouté l'acte à leur foi, ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vues et les ont saluées de loin. Cette année, tu ne salueras pas l'argent de loin. Cette année, tu ne salueras pas ton entreprise de loin. Cette année, tu ne salueras pas tes projets de loin. Cette année, avec ta foi, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'avant toi, il y a des gens qui avaient des dons. Avant toi, il y a des gens qui avaient du potentiel. Avant toi, il y a des gens qui avaient des qualités qui sont morts sans avoir vu. Pas que Dieu n'existait pas. Pas que Dieu n'est pas là. Pas que Dieu n'était pas avec eux. Mais ils ont vu. Ton rêve est dans ta main. L'accomplissement de ton rêve est dans ta main. Ce que tu dois faire pour que ce rêve se réalise est entre tes mains. Si tu dors, tu ne verras pas. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas. Si tu ne réfléchis pas à ce rêve que tu as, comment atteindre ton objectif? Comment ouvrir cette grande boutique dont on parlera partout? Comment faire cette entreprise de vente de voitures? Comment faire ce grand restaurant? Comment faire ta clinique? Comment faire ta pharmacie? Comment faire ton entreprise? Tant que tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Ton mari ne peut pas le faire pour toi. Tes enfants ne pourront pas le faire pour toi parce que eux aussi, ils ont leur rêve. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu sais faire? Quelle est ta valeur? Quel est ce don que Dieu a mis en toi? Comment est-ce que tu réagis avec ce don que Dieu a mis en toi?
Comment est-ce que tu prends ce don que Dieu a mis en toi? Tu as des potentialités en toi. Tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Alléluia. Le troisième point, croyez en vous. Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui que tu crois. Jésus leur a dit, mais moi je te dis, oui, tu peux. Tu peux le faire. Tu peux faire ton entreprise. Tu peux le faire. Tu as la capacité en toi. Tu n'es plus timide. Tu as compris qu'il faut être violent pour attraper ce qui te revient de droit. Tu peux le faire parce que tu crois en Dieu et tu crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Croyez en vous. Croyez en vos capacités. Croyez en vous. Ayez confiance en vous. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas faire des choses surnaturelles. Dis-toi que je suis la plus intelligente. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Jésus a dit à quelqu'un, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Croyez en vos valeurs. Croyez en votre intelligence. Croyez en votre cerveau. Croyez en votre beauté. Croyez en vous. Même si la vie vous fait croire le contraire, croyez en vous. Même si votre entourage vous fait croire le contraire, croyez en vous. Vous pouvez aussi avoir, jusqu'à la fin de cette année, 500 millions dans votre compte. Oui, vous le pouvez. Vous pouvez avoir la voiture que vous recherchez et avoir encore de l'argent dans votre compte. Vous avez le charisme qu'il faut. Oui, vous avez le caractère qu'il faut. Combien de personnes ont dit « je ne peux pas » qui ont été enterrées? Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ, mais tu accompliras ce que Dieu a mis dans ta vie. Parce que tu peux le faire. Tu as la capacité de le faire. Tu peux le faire. Dis à quelqu'un, tu peux le faire. Et dis à toi-même, je peux le faire. Je peux le faire. Cette année, j'irai au-delà de mes limites. Au nom de Jésus-Christ. Cette année, j'irai au-delà de mes limites. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je peux le faire. Alléluia. Nous sommes au troisième point. Et le quatrième point, c'est croyez en Dieu et croyez en votre prophète. 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Confiez-vous. Et vous serez, confiez-vous, et vous, lorsqu'on se confie en Dieu, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on se confie en ses prophètes, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia! Satan ne veut plus qu'on considère nos pasteurs. Satan ne veut plus qu'on considère ces hommes que Dieu a mis à part pour nous. Satan veut qu'on les vilipende. Satan veut qu'on rejette ce qu'ils nous apprennent. Alors que ce qu'ils nous apprennent est biblique. Et la Bible dit, crois en Dieu, tu seras affermi. Affermi signifie rendre progressivement plus ferme, plus constant et plus stable. La parole de Dieu te rend stable. La parole de Dieu fait que tu ne vacilles pas. La parole de Dieu fait que tu crois en toi. La parole de Dieu te donne l'assurance. Et c'est cette assurance qui te rend stable. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que tu vois, tu es stable, tu es calme. Parce que tu sais que Jésus est dans ta barque. Quand Jésus est dans ta barque, tu es calme. Tu ne paniques pas. Quel que soit ce qui arrive, tu ne paniques pas. Alléluia. Si vous croyez en Dieu, Dieu vous rendra stable. Il vous affermira. Il rendra vos affaires stables. Il rendra vos enfants stables. Il rendra vos couples stables. Mais si vous voulez réussir, la Bible dit, confiez-vous dans les prophètes de l'Éternel. Cette année, ne soyons pas des personnes déloyales.
cette année, ne soyons pas des personnes qui murmurent dans la maison de Dieu. Tant que vous murmurez, le prophète est inefficace dans vos vies. Tant que vous critiquez, tout ce qu'il vous dira, il devient inefficace. Tant que vous voyez derrière toutes ces paroles la manipulation, il devient inefficace. Tant que vous croyez dans vos cœurs qu'il veut vous détruire, voler votre argent, voler votre dignité, il devient inefficace. Mais si vous croyez en ces hommes que Dieu vous donne pour vous-même votre bénédiction, vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Dans vos projets, n'oubliez pas Dieu, mais n'oubliez pas l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Présentez vos projets à l'homme de Dieu. Présentez vos projets au prophète. Il vous dira si c'est la bonne voie ou qu'est-ce qu'il faut faire parce que Dieu lui parle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Venez avec vos offrandes devant l'homme de Dieu. Croyez en vos prophètes. Amen. On vous a montré la Bible. Tout ce que je dis est basé sur la Bible. La Bible dit, croyez en vos prophètes et vous réussirez. Crois en ce que ton Père spirituel dit. Alléluia. Croyez aux prophètes de l'Éternel. L'Esprit de Dieu a encore des hommes et des femmes qui sont encore appelés pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Notre dernier verset, 1 Chronique 22, 16. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Mon dernier point, lève-toi et agis. Amen. La Bible dit à Dieu appartient l'or et l'argent. Quand tu auras besoin d'argent, parle à ton Dieu, il te donnera ce qu'il faut. L'or est à ta disposition, l'argent est à ta disposition, les reins sont à ta disposition. David parlait à Salomon parce que le Seigneur a dit à David que sa main a été souillée et ne pouvait pas construire son temple. Et David a dit à Salomon de construire le temple de l'Éternel. David a dit à Salomon que tout est à sa disposition, en plus l'Éternel est avec lui. Et Salomon a fait ce que son père David n'a pu faire. Lorsque tu te lèveras cette année, tu feras ce qu'aucun membre de ta famille n'a fait. Au nom de Jésus-Christ, lorsque tu te lèveras et tu agiras, tu feras ce que ton père n'a pas pu faire. Tu seras la continuité de ton père. Tu seras la continuité de ta mère. Tu seras la continuité de tes grands frères, de toute la famille. C'est toi qui feras ce que personne n'a pu faire. Si tu restes assis, tu restes assis aussi pour ta famille. Si tu restes assis sans travailler, sans atteindre tes objectifs, sans te lever, sans agir, tu seras pareil, tu finiras comme les autres. Mais parce que cette année, je te vois te lever, je te vois agir, je te vois faire ce que personne n'a fait. Comme David, je te dis, lève-toi et agis. Tout est à ta disposition. L'Éternel est avec toi. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné l'argent. Peut-être que tu ne vois pas l'argent, mais la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas ces choses, mais tout est entre les mains du Seigneur. Prends ton temps dans la prière, prends ton temps dans le jeûne, prends ton temps devant le Seigneur et dis au Seigneur de te donner les moyens qu'il faut pour que tu puisses agir. Au nom de Jésus-Christ, je dis à quelqu'un, lève-toi et agis, lève-toi et fais-le, que rien ne t'intimide. Tu as de la valeur, tu as l'intelligence, tu peux le faire. Tu crois en toi, tu crois en Dieu, tu crois en tes prophètes. Rien ne t'arrêtera, rien n'arrêtera ce que Dieu a mis sur ton cœur. Ne laisse pas mourir ton rêve, ne laisse pas mourir ta vision, ne laisse pas l'œuf mourir
dans sa coquille au nom de Jésus-Christ, mais permet que cet œuf puisse devenir un poussin pour commencer, ensuite un poulet ou une poule au nom de Jésus-Christ. Laisse cet œuf grandir, laisse cet œuf sortir, ne le tue pas à la racine, ne tue pas ton don à la racine, ne tue pas ta valeur à la racine. Ce que tu sais faire, fais-le, l'Éternel est avec toi. Va avec la force que tu as cette année. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Dieu est avec toi. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que ce message a édifié quelqu'un? Promets-moi que tu te lèveras et tu agiras. Promets-moi que tu te lèveras et tu accompliras la vision que Dieu a mise sur ton cœur. Promets-moi jusqu'à la fin de cette année d'entendre, dis ton nom, crie ton nom sur une entreprise au nom de Jésus-Christ. Promets-moi de le faire. Ne reste pas au stade de petit employé de bureau. Tu as du potentiel, tu as de la valeur, tu as de la valeur. Et que ta valeur soit vue sur ta terre. Et que ta valeur soit vue dans le monde entier. Que la terre t'acclame au nom de Jésus-Christ. Que la terre ne refuse pas de te donner sa graisse. Et que le ciel ne soit pas des reins sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Que ton ciel soit ouvert pour cette activité. Que tes affaires prospèrent au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous donne l'autorité. Vous êtes la tête dans ce que vous faites. Quiconque se lève pour faire tomber vos entreprises, qu'ils soient honteux et confus. Que vos ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Que vos adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Vos affaires prospèrent, vos affaires marchent. Vos affaires prospèrent, vos affaires marchent. Vos entreprises sont fortes. Vous allez faire cette année le chiffre d'affaires que vous n'avez jamais fait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous ne retournerez pas à la case de départ. Vous ne retournerez plus jamais à la case de départ. Je vous vois croître dans cette affaire. Je vois vos affaires grandir. Je vois vos comptes être remplis au nom de Jésus-Christ. Cette année, vous ne devrez à personne au nom de Jésus-Christ. Au contraire, vous prêterez tellement l'Éternel vous aura béni. C'est l'année de la seconde gloire. Ce qui n'a pas marché hier, marchera aujourd'hui. J'appelle pour vous une multitude de clients. Je les appelle au nom de Jésus-Christ. Je les appelle au nom de Jésus-Christ. Je les appelle au nom de Jésus-Christ. Une multitude de clients au nom de Jésus-Christ. Le corona ne jouera pas sur vos affaires. Vous n'êtes pas concernés par ce que le monde vit. La Bible dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Au nom de Jésus-Christ, vous prospérez. Vous prospérez dans ces temps difficiles. Le Seigneur vous démarque des autres au nom de Jésus-Christ. Je vois des hommes et des femmes venus de partout pour travailler avec vous. Je vois des hommes et des femmes venus vers vous pour financer vos projets, financer vos affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les appelle, ces hommes et ces femmes que l'ennemi avait arrêtés depuis longtemps. Vous attendez le financement qui soit débloqué cette semaine, qui est déblocage cette semaine, qui est déblocage cette semaine. Où est-ce que vous voulez aller? Je déclare que cette semaine, l'Éternel vous met en contact avec quelqu'un pour que vous puissiez entrer là où vous voulez entrer. C'est l'année de la grâce, c'est l'année de la faveur, c'est l'année de la seconde gloire. Prospérez, 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 prospérez dans l'adversité, prospérez au milieu des méchants. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Ils se lèveront contre vous, ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes par lesquelles ils passeront pour vous faire tomber, nous les fermons, nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Spirituellement, qu'ils ne vous voient pas, physiquement, qu'ils ne vous voient pas, vous êtes cachés dans le sang de Jésus. Je vous appelle grands hommes et grandes femmes d'affaires. Vous réussirez certainement. Vous réussirez au nom de Jésus-Christ. Vous réussirez au nom de Jésus-Christ. Rabashatabasa katalaba. Tout piège qu'ils mettront devant vous pour faire tomber vos entreprises est consumé par le feu de Dieu. Tout piège qu'ils mettront dans vos magasins, dans vos boutiques, sont consumés par le feu de Dieu. Toute boue démoniaque qui a été mise sur ton magasin pour ne plus que les hommes puissent voir,
soit nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Ton magasin sent une bonne odeur et ça attire du monde au nom de Jésus. La Bible déclare que l'Éternel bénit l'œuvre de nos mains. L'œuvre en tes mains bénit, l'œuvre en tes mains prospère, l'œuvre en tes mains marche, l'œuvre en tes mains évolue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cette huile est le sang de Jésus-Christ pour nettoyer toute malédiction dans tes mains, toute malédiction dans tes affaires, toute malédiction dans tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu réussiras. Cette fois-ci, tu feras le plus gros chiffre d'affaires de l'année. Tu feras le plus gros chiffre d'affaires de depuis que tu as commencé à travailler. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Femme de valeur, homme avec un potentiel. Au nom de Jésus-Christ, j'attire les marchés. Ce que le monde vit ne te concerne pas. Ce que le monde vit ne te concerne pas. Ce que le monde vit ne te concerne pas. Ce que le monde vit ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est la parole de Dieu dans ta vie. C'est la parole de Dieu dans tes affaires. Il a dit, je suis avec toi et nul ne tiendra devant toi. Cette parole est déjà forte pour toi. Cette parole est déjà rassurante pour toi. Il est avec toi. Il est avec toi et nul ne tiendra devant toi. Ramamamaché que t'es le boss. Répète après moi, ma foi me mènera dans les hauteurs. Si j'ai la bonne information, ma foi me mènera dans les hauteurs. Si je ne laisse pas mourir mes rêves, ma foi me mènera dans les hauteurs. Si je crois en Dieu et en mon prophète, selon 1 Chronique 20:20, ma foi me mènera dans les hauteurs. Si je crois en moi, ma foi me mènera dans les hauteurs. Si je me lève et j'agis, ma foi me mènera dans les hauteurs. C'est l'année où l'Éternel me mène dans les hauteurs. Au nom de Jésus-Christ, je vais au sommet. Je marche avec les grands. Je me donne les moyens pour faire réussir mes ambitions. Au nom de Jésus-Christ, je ne crains rien. Dans l'adversité, je suis fort. Je domine mes adversaires. Quiconque parle contre moi, l'Éternel qui est avec moi me donnera la victoire. Merci Seigneur, parce que j'atteins les sommets. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh.